Et bon, en tant que professionnel, il faut avoir aussi un esprit de revanche. Il faut pouvoir se remettre en question. Donc même dans les têtes des joueurs, par rapport à la défaite face 5 tirs du côté de Charleroi, pas un seul cadré. Donc voilà, on a un match. On parlait des imprécisions techniques. Ben, ça se traduit un petit peu là aussi. Pas de tir cadré. Non, en voici maintenant. Peut-être un avec Golizadeh ou avec Heymans. Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il leur faut? Le ballon lui revient, il a insisté. Et la diagonale, elle est précise. Nkuba. Le centre. Bayo, c'est un bon ballon. C'est but. Superbe centre du gamin Nkuba. Et donc Charleroi est devant. Yamakoun Bayo. C'est son 8e but. Déjà quand même pour le Sportif de Charleroi. On l'avait oublié dans cette défense. Il ne communique absolument pas. On va revoir ici cette action. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent tout seuls là entre McKenzie et Lukumi? Ils sont plusieurs à être seuls. Il y a deux joueurs qui peuvent être totalement seuls à la réception de ce centre. Et puis on laisse entrer beaucoup trop facilement aussi. Il n'y a aucun Ah mais ça, il doit vraiment gommer de son jeu, Golizadeh. Oyen, ça va donner une possibilité de marquer et d'égaliser pour Ito. L'arrêt. L'arrêt du pied de Kofis. Hayden, ça va vers Onuachu qui remise et il n'est pas loin. Ito. Andréou. Kayembe. Bessilé. Oh là là. Ça passe quand même. Ça, je ne sais pas comment elle arrive là. Cette balle, Heymans, c'est la balle du 2-0. Le poteau. Oh, pas de chance pour Charleroi et pour Dan Heymans. Voilà, on va... Ah ben oui, c'est... on comprend mieux. Mais là, il fait la différence. Là, il s'impose bien. Dans le dos de Preciado. Juste posé. Là, s'il y a une poussée, on aurait bien la revoir, en tout cas. Onuachu, il y a but. Il y a but de l'autre côté avec Onuachu. Et oui, le bon Carolo est fou furieux. Mais ils sont dans la déconcentration. Ils repensent à cette action. Ah, ici, c'est le but. Ouais, Andréou, hein. Andréou qui le perd. Il perd le contrôle, il perd du regard. À un moment, il tourne la tête. Et la façon dont il tourne la tête, mais il perd effectivement le regard, il perd ses repères. Et Oyen avec... Bon appel dans la profondeur. Ito. Ouais, et les Limbourgeois, ils vont peut-être aller mettre le deuxième. Oh, quelle intervention. Oh, du gros fil grand art, là, sur cet arrêt réflexe exceptionnel. Qui va le féliciter parce qu'il est sublime. Ouais, ça vient sur lui, mais quel réflexe quand même pour pouvoir sortir ce ballon. Ouais, parce qu'elle vient fort sur lui. Ça hein. Vient sur lui. Ah oui, gros temps fort hein, pour les Limbourgeois là. Le coup de poing mal donné, mais Inen quand même. Ça va être dedans ça avec Torchwed. Au rebond sur cette frappe d'Inen. 1-2 pour Genk. Renversement de situation. Avec les deux changements offensifs, on revoit ça. On va revoir. Hein. Ici, regardez, c'est Golizadeh hein, qui offre ce ballon. Je pense pas qu'il soit. J'ai pas l'impression non plus. Une grosse minute encore. On n'a rien vu dans ce temps additionnel. Peut-être ici Morioka avec Bayo qui a encore du jus. Bayo, allez, ça c'est peut-être bon. Oui. Bakoun Bayo pour le doublé. Charleroi au mérite, il le mérite avec du cœur et du mérite, courage. Ce point. Ah oui, quand on va trouver Morioka comme ça dans l'intervalle, c'est intéressant. Et là il emmène bien son ballon. Hein. Sur sa première touche, il fait la différence. Voilà, cette touche-là elle est intéressante parce qu'il a le ballon en plein dans sa foulée. Et puis le tir croisé de l'intérieur du pied gauche pour égaliser. Belle finition, c'est vrai. Au Bayo qui s'offre un doublé. Golizadeh, il faut mettre le ballon dans la boîte là. Les dernières secondes, on est au-delà du temps additionnel. Heymans, Golizadeh, l'arbitre qui laisse jouer. Marco Hina, il arrêtera le centre retrait et le triplé. La remontada du Sporting de Charleroi. Et regardez-moi ça. Il avait l'air bien seul. Ah, il y a hors jeu. Ouais, c'est l'impression que. Que j'ai eu en revoyant le ralenti de l'international malgache. Ah oui, ouais, au niveau du cardio là,
Il est monté, Edouard Steele. Il a littéralement explosé. Il pensait la tenir